Moun sa yo fait mouri la zone carcasse. Y a fouillé moun chaque jeudi. Sou ti biwon vin fouillé moun nan montan la les jours marché prend l'argent. Peuple la va yo la, peuple la trouye yo tous les trois là. Koto wè wè ya te carcasse yo là. Ah oui. Population accompagne la police nan cadre opération Tornade 1. Gagne 3 gros volets nan zone carcasse. Que peuple la mette main sou yo après un bon temps que yo t'ap veye yo nan fouye depuis ces moun k'ap passe nan zone nan tout fait marché. Et bien nek sa yo nan moment que m'a parlé avec nous là mon cher y a baigné nan sang yo et y a fait papa baron grimace. Image là vraiment cruelle. Yon l'autre bon fòm di nou la police touye un jeune garçon 26 l'année nan Sainte-Philomène en dedans au cap haïtien nan cadre yon opération. Mais monsieur tombé pour mauvais fréquentation maman lagué nan plein ou pral gen chance tande comment ti madame ça li a plein mais fòm dou petit ou à tout li manke ou pa jwenn tout détail opération pa camper non gen 3 bandi kanaran la ki jwenn arrestation yo sou nef la oui après ou fin détourné yon gros camion ki te rempli a craquer ensemble avec blé bon fòm la dedans tout oui pa konnoj comment nou ye est-ce que nous en forme est-ce que n'ap tien bé. Tendez non, opération Tornade 1, la fait route li comme ça doit. Et me senti peuple a rejoint dans cadre opération si là. Mon cher gagne 3 gros volets, mal nek sa ou ti volé parce que nek sa ressorti on côté que le Tibiron pour rentrer dans zone carcasse, nek yo débarqué spécialement jour jeudi. L'autre de gen marché, madame Sarah comprend tik pénitence ki ou te gen fin van au coup de la semaine et puis pou semble ti comme ça pour gen payer point ya et puis prend un bénéfice là pour vin réacheter. Et on prend pour y al garder comme on capable détailler pour faire ti comme manger ya. Et ben gen 3 gros volets ni ça ou même qui activé dans zone là. C'est-à-dire depuis jou marché arrive il fait bang. Sotande ya nèg yo gen tan prêt pou vin fouye moun. C'est pas des moun nèg yo pa fouye. Et nèg sa yo tellement yo m capable di yo professionnel nan question volé. Comprenez bien oui? Yo fouye men comprenez tout côté net nou konnen mesdames nou konnen serre l'argent. Y a fouye men nan devan mesdames yo, fouye men nan tete men yo pa même ah, la compliqué. En tout cas, peuple la ki te paron pik an coin na pou yo. Nan moment nèg yo a fait travail yo nan moment nèg yo a fait bay ki do la et ben zengin do sa yo peuple la ta pral déboucher envahi yo sotande ya nèg yo actuellement là et y a fait papa baron ou bien yo a fait on prend grand y a fait gros la gros deli en dans cimetière est-ce que vous comprenez parce que peuple la met dominant yo pour le temps et l'éternité malgré gen moun ki t'a tenté reler la police a police dit fait travail nous c'est même tornade là qui passe sous bandi yo là c'est même nous même là est-ce que vous comprenez en tout cas mes chers amis image yo vraiment cruel sous besoin yo ou a joindre yo sous groupe Telegram Haiti Media on nan m'a rappelé pour entrer sous groupe si là on seulement aller sous page Haiti Media on sous Facebook de pou fin rentrer sous les premières publications qui ou a joindre qui épinglé c'est link pour capable faire partie de Telegram si là côté ou a joindre depuis ces vidéos depuis ces bail qui cruel parce que malheureusement m'pap ka poster ou là en raison comprendre standard bay communauté faut on gérer parce qu'il pas armé prend aucune restriction. En tout cas, bon quitter détail ça, bon montrer dans l'autre cause. Ces jours-ci, la police gonjan l'a frappé dans Sainte-Philomène son bagage grave. Yo pourquoi j'aime passer bon m'pas pas dans semaine ça là, on jour beaucoup passer pour pas attendre une opération temps main dans Sainte-Philomène. Et ben dans cadre yon opération que la police tape temps main dans zone Sainte-Philomène, gien un jeune garçon qui a 26 l'année. Maman jeune petit garçon ça qui t'a vu Port-au-Prince ensemble avec lui, le fait que programme Biden nan li en vogue et puis il t'a choisi fait petit garçon rentrer au Cap pour la faire passeport parce que Port-au-Prince nan li vraiment tête en bas tout côté oui, mais il pensait à bon facilité quand même s'il arrivait au Cap haïtien pour le faire passeport. Mais petit garçon ça li c'est moun li t'ap vive pour des pères auparavant avec famille papa mais maman habite Port-au-Prince. Tendez bien oui, étant donné Port-au-Prince nan moment li pa trop cordium mouchea pendant la locap li gon zanmi d'enfance. Tendez bien oui action li gon zanmi d'enfance qui t'ai pour des pensements avec lui
qui ont été fait classe ensemble. Il dit à mon cher, moi au cap là, oui, parce que les amis ont été descendre vivre au cap. Monsieur dit moi au cap là, oui. Et puis il parle avec jeune petit garçon qui la police touye ya. Et petit garçon ça lui même dit t'a pas prendre rendez-vous ensemble avec zami d'enfance là et dans même moment rendez-vous fin classé monsieur la kay zami d'enfance la police débarqué sortant de ya bois calé tornade passé monsieur tombé maman qui t'a plein nous connaissons maman maman qui gon côte qui Marie Saint-Il lui t'a expliqué bagay qui passé ya bon me permettre wal tan depuis tout comment madame Lan pour diable li t'a parlé et moi-même m'gon ti causer encore pour me partager ensemble avec nous on a l'côté gien do valri cadeau moi voye le cap pour l'al fond passeport nouvelle qui représenté yo tim la police fizye petit moi après c'est lundi soir li té al fait passeport pour la première fois li entré au cap son cousine ni li gien qui au cap moi les cousine là Mandel est-ce qu'elle ca monsieur ca descendre la caille il dit oui lui même ca dans station qui prend monsieur la caille c'est pendant la caille cousine là il était bon ami le condisciple qui était ensemble avec le bord de paix et puis monsieur venait habiter au cap pendant le cap qu'on a la parler avec zami il dit à zami ah mon cher moi au cap oui là zami dit qui côté au cap dans qui zone il dit zami maintenant telle zone moi au cap parce que moi par contre non zone là. Et puis Zamia dit pas de problème non, m'a vienne chercher pour venir voir la caille. Et puis Zamia vienne chercher, mais yo dit Zamia habiter 7 km. Quand il y a là les amis vienne chercher et puis pendant que les amis en comme ça, m'entendre la police entrer, la police fusil Zamia. Mais est-ce que les amis ont en affaire ou bien comme ça? Pas connait si Zamia ont en affaire, pas connait. Mais petit moi pas un bandit, il pas un voleur, il pas rien. Pour la première fois les au cap, c'est moi qui voler ils font passeport. Là, on a un dans le cap. Je peux dire que ça passe lundi. Ça passe lundi. Moi-même, je recevra un message là, m'a dit bon, il est. Je viens de connaître la police fusil. Et puis, je m'a mené en enquête, je cherche à connaître pour me joindre quoi. Je me suis la mairie dit comme ça pour m'entrer au cap, pour me faire suivi. Malgré tout, je me dis avant m'entrer, quitte me chercher moyen pour me connaître. Il a pour quel âge? Il y a 26 ans. Il fait 24 juillet 1996. Mes amis petit roi nous pas connait nous avons quelle information nous pas connait pas connait quelle information l'elle t'est pas de pem t'est pas de pem t'est connait son petit monde qui levé ensemble avec son petit monde moi connait pas connait il était dans aucun sac pas connait pendant rivé au cap parce que pas connait pas habité au cap c'est Port-au-Prince m'a vivre c'est monde pas de paix m'a vu Port-au-Prince canapé vert petite moi rentré ensemble avec il finit l'école Port-au-Prince il entré Port de paix la jeune famille papa c'est pendant le Port de paix il entré au cap c'est à cause du pays qui fait le pas entrer Port-au-Prince parce que route pour entrer ici a pas bon, il dit li paix, il pas veut entrer ici, il dit au cap là, plus facile pour lui la passer par l'imbé dans zone pas sa folère pour l'entrer au cap. Il pas entrer dans route pour entrer dans Port-au-Prince là. C'est ça qui fait l'aller au cap qui plus facile pour lui pour pas prendre la mort, mais il veut au cap c'est la mort pour. Juste on passer dans radio en vent, on t'ai relé, on t'a parlé en journaliste au cap qui t'ai publié et pose là. Information. Y a là je prends information avec elle, je parle avec elle. Il dit je cherche un contact radio enfant. Je cherche un contact radio après ça moi-même pour faire suivi. Madame Nerline Chérédus qui perd du petit lit dans le cadre d'opération de la police menée au cap précisément dans Saint-Philomène. Petit lit Ricardo Dorval, 26 l'année, qui a fait passeport au cap qui a vu Port de Paix. Il a loué un ami dans le moment où la police a mené opération dans Saint-Philomène. D'après ça, il a dénoncé dans le micro, il dit petit lit pas dans la gang. Bon. Bon, c'est que nous tendez ti madame là. Bon, la parler ça fait mal parce que moi même ti nèg tout prête là moi qui valait l'amour que maman a débordé chaque jour mon Dieu mettait pour moi. Est-ce que vous comprenez si tous les laptermes c'est un premier fanatique moi. Bon bagage qui est important chaque jour me dit mes chers amis. Ou même qu'a écouter me là, me pas aimer ça sacrifier jeune petit garçon 26 l'année ça, me pas aimer le river ou. Ça c'est bon bagage journée jodi à là m'a dit clair. Ou fait un an, ou fait trois mois, ou fait six mois, ou pas tendez, ou pas ouais 11 ans pour lever avec lui, seul ça qui me garantit, ou pas courir à l'entrée sous un million, parce que dans le moment ça, tant pis, j'ai, nous nous autant capable de dire, mon cher, tant, li tenter.
ou comment ça me dit là, gon paquet jeune garçon pas ca souffrir grand goût. Gon paquet jeune garçon qui pas gain colonne vertébrale, gon paquet jeune garçon qui toujours gon esprit négatif qui a prôné en pile là-dedans obligé rentrer dans mauvaise affaire, yo gain compte à rendre avec la police. Et ou même qui pas compte ça, qui t'est rété non petit qu'on va en sortir ou faire effort de droite. Étant donné mes amis d'enfance, on dit à me lever avec un tel lui, mais ou ignorer 1 an, 2 ans, 6 mois, 3 mois que ou faut pas jamais gen nouvelle un tel, mais mon petit appel WhatsApp ou mon petit texte message, nous pas jamais qu'on voye. Moi dit ça déjà, li vraiment important nan temps ça ou là pour diminuer la quantité zanmi taille qu'on gagne. Li vraiment important dans moment ça là pour pou prendre frein brique là ou râler ou dit bon gè quelque temps que m'pa rentel nous ka toujours gen salutation mais prend Allen John Alenga ou John kon di là ensemble avec lui non m'pa pas tête mon mission ça parce que gen pile bagay ki ka fait d'ailleurs bandi pas marqué dans visage moun. On voit que jeune garçon là bien portant, belle jeune femme m'a regardé portrait dada ou chaque bord dada ou son pays son état dans États-Unis est-ce que comprendre. Ou ta di kon sa, ay ou pa nan mauvaise affaire, pourtant c'est gros madan gang, comprenez, yo même fait partie de l'association malfecte a même. Est-ce que vous comprenez? Li vraiment important, même kap koute, m'a pris nan grâce, parce que m'toujours vle, nous même qui gen chance koute, m'pou nou toujours été fanatique, m'en auditem. Parce que si ou nan nou tombe, m'a perdu un fanatique, et ça fait mal, en pile, pa kite, comprenez, pou se moun kap koute nouvelle pou ou. Est-ce qu'on comprend? Pas quitter pour y avoir dit ah tel tombé oui, non pas attendre l'intel tombé dans chercher rang. C'est dans sens ça oui, tiga son ça tombé là. En tout cas, bagarre la compliqué. Mes amis, tornade la fin carré. Quoi tornade ça, li camper en mode bois calé. Pas ton petit bravo pour la propos. La police tenait une opération, je dis que vraiment difficile. Opération ça en vérité. Aïe aïe aïe. Qui va mener avec arrestation? Trois moun pa mieux en femme. Messieurs, dames, ça yo, yo te vraiment malin. La police prend yo sou nef. Tande ki bon, sou nef kote nou konnen ki kadriye ensemble avec gang jounen jodi a mes chers amis. Eh bien, gang si la yo, yo fait partie des bases canarin. Gon femme la dan. Wol yo, c'est ou nou konn tout baye déjà. Mais la police prend moun sa yo si après yon alerte ke yo te genyen concernant un gros camion qui te rempli à craquer ensemble avec blé. Eh bien qui t'a pral alors camion sat qui t'a pral détourné selon information. Tendez bien oui, et forme dou c'est Idmo l'Ouest 2 qui t'emmène opération ça dans cadre entière routine. Bagala t'a pral chavirer pour yo. Tendez oui, eh bien individu ça mes chers amis qui a opéré dans Canaan, yo accusé yo comme moun k'ap voler marchandise et association malfecte. Comment yo relé? C'est trois moun. Gen youn qui c'est Jean-Baptiste Fanny, li fait 8 août 1982 dans Dichiti. Là m'a parlé des communes Jérémy en dans département Grand'Anse. Gen Charles Maslin, li fait 8 décembre 1965 mon Jérémy Pired. Gen Ludi Erlo qui c'est li continue en gâté qui c'est Tiponyet, li fait 1er juin 1976, li c'est mon Jérémy Pired. Eh bien trois voix ou ça yo. Bon bon messieurs dames ça yo, la police prend yo à ribord un camion qui était rempli à craquer ensemble avec blé et camion ça t'a pral détourné dans minoterie d'Haïti. Eh bien la police fouke moun si la yo. Baton petit bravo encore une fois pour la police qui a fait un gros travail. M'dit ça, pendant m'a ba nou information concernant la police là qui t'aime tout rappeler nous. Commissariat Lester que nèg yo té boudé, police yo té boudé, té fermé porte commissariat si là selon information police yo reprend contrôle commissariat. Ça sont bonnes nouvelles. Et dans lien kou là déjà gen deux chars blindés qui là qui campé au tof. Ils ont prendre il y a tant nèg yo vini pour mettre on capable dit et green mine en falio parce que c'est ça qui ont besoin. Récréation semblé a fini dans moment qui m'a parlé ensemble avec nous là. Bagala la compliqué. Tâche là vraiment difficile pour la police, mais conviction, hein? La conviction est là. C'est ça qui est important. Volonté police la gagne pour détruire gang yo là, mais malheureusement, si supérieur hiérarchique fait absence de volonté si là, c'est ça que la cause phénomène insécurité a, li pour capable résoudre toujours. Mais nèg yo gen formule là, yo ka résoudre li, mais résoudre li a, li pa nan avantage yo. Samedi à l'âme signe derrière et négo pour ville. Gen réaction là si m'ta bali nan.
Mais émission pas dans le Liban qui une réaction à nèg. M'pa fabricant hein. Archivio là c'est pays à pas me connaît ouais pas gagne monde qui faire archive pour pays. Vous comprenez ça d'où? Tendez bien. Selon RNDDH en 2009 qui était écrit KEP hein qui t'a dit l'attention RNDDH oui, Pierre Espérance RNDDH n'a comprendre ça qu'Haïti a qui t'a dit que nèg ça son équipe malandrin vagabond individu qui impliqué nos équipes dossier louche qui pas ka vinn sénateur pays d'Haïti. Premier nom cité c'est Schiller Louis d'Or qui d'après ça RNDDH dit qui t'a détourné plus par ses $700,000 américains. Yo te joine nan men yon drug dealer nan aéroport tout seul ouverture. Et c'est suite à dossier ça d'après le wété Schiller nan tête de CPJ. Deuxième nom qui cité c'est Serge Delva Gaspar. Che galère gardez il m'a perdu à ce monsieur. Et nèg kap di pour qui ça tété vin ak dossier? C'est pas moi, archive yo là. Parce que nèg gen tan nan média là qui vient vendre moi privé comme Jésus-Christ sur la terre, faut me faire archive yo complet. Archive yo là c'est parce que nous même nous paraissons c'est nous pas vle li bagay yo. Deuxièmement, gan pile nan nous par rapport ak zami tay nous pas osé tout di ça pas di a. Moi moi pour parler pour pays a, y a trop moun k'ap fè li et moi pour faire pour peuple là, pas un problème. Tendez bien. Deuxième moun nan c'est Serge Delva Gaspar alias Sergo Maï Moulin. Eh, nous pas de connaît. Eh, nous connaissons Sergo Maï Moulin, nous voyons ça. Monsieur c'est ancien magistrat Lavalas, dans Miragouane. Il est candidat pour le vin, oui, pour département NIP. Sous bannière Lavalas, toujours Lavalas. Monsieur était révoqué en 2001. Pour qui ça? Pour des cas de malversation. Dans la mairie Miragouane. C'est-à-dire qu'il était révoqué, monsieur. Parce que elle t'a pris ta mairie à volo, pris ta déchalboré ou en déventré ou on prend mairie. Il t'a pété ti fifli pété kon kesli. Pas un problème, pas un problème. Serge Delva Gaspar. Donc monsieur était révoqué en 2001 d'après RNDDH pour des cas de malversation dans mairie Miragouane. Serge Gaspar, monsieur tout est accusé. Le fait que l'État participé dans mettait du fait dans caille divers opposants politiques dans Miragouane. RNDDH qui a parlé. Hey, tant de bagaille. M'a doué émission après-midi là. Y a des problèmes dans la ville là. Et puis m'a montré nous ça qu'à Haïti. Troisième nom qui cité, notez non ça la société. C'est Moïse Jean-Charles. Ben non ça, faut m'pointer de l'eau, papa. Un problème, non? Son pays difficile. Tenez bien, troisième nom, selon RNDDH, c'est Moïse Jean-Charles, qui ça a dit pour moi, conseiller président. Tenez, oui, en 2009. Ça a dit, même RNDDH, ça, qui t'a demandé écarter Jean-Charles Moïse dans l'élection 2009 pour divers dossiers louches, que je vais citer là. En 2015, donné va changer. Mais ça, Haïti a été branché dans le tonnerre. Moïse Jean-Charles, qui se conseiller président pays, dans l'époque là, monsieur René Garcia Breval, monsieur, c'est candidat en babanier regroupement politique, pouvoir qui était l'espoir dans l'époque là, monsieur, te fait objet, yon mandat râle benevini. Moïse Jean-Charles. Oui, Moïse Jean-Charles. Selon RNDDH, monsieur te fait objet yon mandat. Rale Benevini, juge Awol Chéri, te mette derrière li dans cadre yon dossier tap instruit qui gen pouwe ak yon événement qui te passé 17 décembre 2001. Monsieur te comparaître devant cabinet d'instruction 4 avril 2003, après, yo te fin tande Jean-Charles Moïse, juge là t'apral converti mandat d'amnéa en ordonnance de dépôt
Jean-Charles Moïse, cependant, monsieur te prend temps pour le guet en courir. Nous pas de connaître. Nous émission après-midi à l'Kakras et pays à Platinan, mais moi. Qui a fait m'bagé, zami, mais moi m'bafé. Bon, au contraire, c'est montrer m'a montré le longueur nèg ici. C'est montrer m'a montré, oui. Dimension bluffeur nèg ici. C'est montrer m'a montré. Ça que passe, m'la mal dans l'archive, ça là. Eh, mes dossiers privés, et aussi, elle va montrer. Parce que les gens là commencent à vendre moins, comme si privé, c'est bon monde, ceci. C'est même, c'est privé qui fait mal dans les gens. Là, on n'a pas besoin de gens. Il faut payer à connaître tout. Il y a un pile de gens qui ne sont pas payés. Il y a des gens qui viennent nous bluffer, nous bagarre. Oh Jésus, bagarre, ok. Nous ne sommes pas connus histoire, nous ne sommes pas connus. Fait grand pile de gens parfois qui battent. Ils mourent, parce que les gens ne sont pas liés, ils ne sont pas fait recherche, ils ne sont pas connus rien de pays. Yo seulement croisa ou de glace ou rizou et tombe voye bonté, voye fleur, calonne, ok, pas un problème. Son pays difficile, mon map suivi yo, ok. Jean-Charles Moïse, d'après RNDDH, monsieur te gon mandat d'amener ou te lage contre lui, et c'est juge Harold Chéri, qui t'a instruit un dossier qui gen pour ak yon événement qui t'est passé 17 décembre 2001. Le Jean-Charles te paraît devant cabinet d'instruction le 4 avril 2003. Après, au te fin tendé Jean-Charles Moïse, t'assemblé le pas convaincre juge là. Magistrat t'apprend converti mandat d'amnéa en ordonnance de dépôt qui donc, pour ne pas les piquer pour moun yo, juge Harold Chéri te mandé pour yo arrêter Jean-Charles Moïse le 4 avril 2003. Et c'est regardez, ouais, moi, monsieur disparaît. Regardez, jusqu'à présent, moi, ils sont nèg là qui pas jamais répondre question la justice. Et moi, jusqu'à présent, mais moi, en cavale, oui, là. Regardez, un pays difficile, monsieur. Là, moi, juge l'a mandé pour mettre mon côté pour machine pas frapper lui. C'est regardez, ou pas, ouais, si moi, il monte, s'il descend. M'a répété RNDDH. Nous, pas de connaître. Jean-Charles Moïse, monsieur tout impliqué dans divers événements qui arrivaient Cap Haïtien le 6 avril 2003. En effet, pendant une manifestation qui était organisée par des membres de l'opposition, c'est-à-dire les gens qui étaient en face pouvoir à l'époque, eh bien, gagné une série de partisans Lavalas qui était gagné en tête, yo, Jean-Charles Moïse et Naoum Marcellus. Yo l'ouvri coup de balle sous manifestant yo. Eh ben. A pas bagay la. Conclusion, réflexion, m'nan ap kompren. Tan conclusion, réflexion, m'nan ap kompren. Mde din ge genek la tap commenté bel ibral fâché. Son pays difficile. Ou pays sa m'dou son pays. Ou on pays. Sou occupé nek dan pays sa. Ou ka fè. Kou comment? Comment dan Jean-Baptiste? Eh nan besap l'autre bois, m'dje doué. Pou vin nan besap la. Faut pas faire ni sik ni sel. Ou est son pays? Sou occupé nèg dans pays ça, ti vagabond malandre détracteur ou ka faire ni sik ni sel. Moi m'pa bat pou m'pa faire youn. Là, ou m'fò émission là, anti stress, pas un problème. Tenez bien. M'va le montrer nèg ici ou longueur nèg yo. M'a parlé là de 2009. Et René DH dit que Jean-Charles Moïse avec Naoum Marcellus pendant que y a une manifestation qui était en face pouvoir dans l'époque là, eh ben, yo l'ouvri balle sous manifestant yo, et te gen yon moun ki mouri. Moun sa, c'est gen Donald Julmist, et gen yon blessé qui c'est Evans Lucien. Eh ben, famille yo là, y a démenti ça. Gen, et il dit fortuné. Qui se substitue commissaire gouvernement d'alors, pré-tribunal, première instance, Cap Haïtien. Monsieur te prend coup de roche dans tête. Oh, pourquoi monsieur pas de ministre de justice? C'est Eddy Fortuné. Monsieur David ministre de justice, oui. Tandis, il dit que Jean-Charles Moïse a ou Marcellus en 2009. Rapport sa sorti. Parce que yo te gen accusation sous doyo depuis 2001. Yo te gen accusation sous doyo. Et ça te fait d'après le temps d'émission en 2003. Juge la après le mandé pour yo mette Jean-Charles Moïse en côté ou machine pas frappé. Yo te gen accusation sous lui comme quoi le tatouille en moun dans manifestation.
qui t'a fait cap haïtien contre pouvoir la valasse là dans l'époque ça. Eh ben, mais t'es gagné et dit Fortuné t'es substitut commissaire gouvernement à l'époque là, monsieur de bon coup de en tête. D'après RNDDH, Jean-Charles Moïse lui tout de impliqué dans un assassinat. Le 15 février 2004 de Gitz Adrien Salvan. Une baille ça t'est fait parler vrai oui. Yo dit Jean-Charles Moïse monsieur inculpé dans l'assassinat le 15 février 2004 de Gitz Adrien Salvan. Et li t'a perpétré l'autre zak violence dans nord pays. Donc dossier monsieur li t'est dans paquet. T'assemblé c'est garder au pas dossier. Donc 10 mois après monsieur t'a gagné une ordonnance de clôture dans le cabinet d'instruction cabahitien. Quatrième mounan c'est Amanus Mayette. Eh bien, la valas tap bay problème. En plus, vous avez la valas seulement bagay nan bay sa. Gen le chak tantoune gyon jan en façon pouvoir. Bay problème, non? Mais c'est tant de conclusion nan pour nous comprendre le pays. Amanus Mayette. Yo tout ap tan démission là, oui. Monsieur inculpé dans massacre la Syrie. Eh bien, monsieur également te sou kou yon ordonnance. Juge instruction Saint-Marc nan époque là. Qui te voye dossier par devant le tribunal criminel. Sans assistance de jury pour des crimes graves perpétrés à Saint-Marc en février 2004. L'Assemblée a été interjeté appel là contre ordonnance là qui jusqu'à présent n'a jamais abouti en raison de l'infirmation de la composition qui a entendu l'affaire. Mounio qui te semblé pas de fin là, moun qui t'a dû être embêtant de dossier les pattes là. Donc suite ak l'an mort, ancien président Koula, qui se maître Hugues Saint-Pierre. Monsieur te mouri dans un accident de circulation qui jusqu'à présent beaucoup clair. Eh bien, nous pas connaît. Nèg sa yo parti moun tout non papa. Allez ici au sou président ta mère décolle et puis c'est garder le accident. Vous comprenez? Tendez bien. Cinquième moun nan, c'est Jocelyn Privert. On rete la agonia. Jocelyn Privert. On garde la pour moi. Jocelyn Privert. Côté monsieur Privert. Mais monsieur Privert. Monsieur Privert en vert et billet vert. Car c'est Privert. Pas un problème. Est-ce que les prix sont verts? Pas un problème. Peut-être, yon vert ou en rouge, je ne sais pas. Ok, mais monsieur Privert. Cinquième moun nan yon épinglé, c'est monsieur Privert. Yon dit que, ben me garde pour moi, Jocelyn Privert, monsieur, c'est candidat indépendant pour le département de NIP. Yon dit que monsieur exactement dans la même situation. Ka ancien député Amanus Mayette, qui donc monsieur t'a impliqué tout dans dossier massacre la Syrien. En plus, visa américain monsieur t'est révoqué par les autorités américaines en 2003. J'en ai dit ça tout à l'heure. Moi gen lettre côté que yo t'est adressé à compagnie aérienne à l'époque. Côté audit en prie s'il vous plaît. Pas quitter mouche ça, monter avion pour l'entrée aux États-Unis. Yo dit si, yo tout dit, compagnie, directeur et responsable vol là. Yo dit que sou quitter Jocelyn Privert, monter dans avion, puis les États-Unis, ou payer une amende, en plus l'autre sanction qui prévoit dans affaire trafic aérien, mais ou payer une amende, quoi, qui dans $3,000 vet, pour ça seulement. A dit son individu, ou pas quitter monter dans avion ça, pour le mettre point de pied aux États-Unis. Visa a été coupé en 2003. Faut que pays a konn bagay sa yo. Non, pays a pas konn. Pays a pas konn. Eh ben, et ça te fait nous là toujours. Eh ben, ok, pas un problème. Sixième moun yo cité, c'est Naou Marcellus.
Dieu qui présenté pour département Nord sous bannière famille Lavalas. Visa américain mouché tout est révoqué en 2003 pour participation présumée dans qui s'assouple dans le trafic de la drogue. On va connaître. Et ouais, nous ba yo landio. Qui donc dans la nuit 7 pour arriver 8 février 2004 Radio Vision 2000 branche Nord pays d'Haïti. Eh bien, il était pillé puis incendié par des partisans Lavalas qui te gagnent en tête Yonaro Marcellus, Richard Estimable, Chili Charles, ancien directeur départemental de la police du Nord. Incident si là, il est arrivé quelques jours après que Naou Marcellus te proféré des menaces à l'encontre de cette station. Il te menacé et puis il a attaqué directement. 21 février 2004, il y a le journaliste Elisen Pierre, directeur Radio Hispaniola International et ancien correspondant Radio Métropole dans le Cap Haïtien. Monsieur victime d'une tentative d'assassinat. Et Naoum Marcellus, il a été monsieur en dans un véhicule côté t'a planifié pour assassiner citoyen cela. Le menèg qui saute sénateur là, pas un problème. C'est ça m'a dit nous oui. Gen moun là commencé comprendre ça m'a bli oui, mais gen pas comprendre tout ça fait pas régler. Pas un problème. M'bra l'autre comme nèg ici fragile. Ça veut dire c'est même rapport ça t'est sorti contre nèg ça en 2009. Même organisation encore existait. Même moun yo qui t'est fait partie de l'institution ça encore là. Même nèg ça yo pral retourner là apparaître sous nous en 2015. Pas grand rien qui dit contre yo. Et si vous regardez dans l'archive, vous pouvez regarder les amis taille qui développaient en pile là-dedans yo et responsable RNDDH yo. Suivez mon regard, on joue à comprendre. On joue à comprendre. Mais l'aide gratibonde. Mais vous n'avez pas tellement fanatique, vous ne pouvez pas comprendre. Non, vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis là. Mais yo, joue à comprendre, pas un problème. Donc, 19 mai 2004. Il y a une plainte qui est déposée dans le parquet tribunal première instance Cap Haïtien par Radio Vision 2000 qui est représentée par le cabinet maître Gervais Charles contre Naoum Marcellus, Richard Estimable. Et puis ah une femme perdue là non ça m'a dit là important pour pays ya. Oui. Mais Gervais Charles oui contre Naoum Marcellus, Richard Estimable, Chili Charles, Jean-Bertrand Aristide et Mario Dupuis. Eh ben, Titi dit, tu peux te plaindre pour lui tout. Ça a dit. Bah, rien pas arrivé. On paye difficile. Ensuite, qui est encore? Guy Philippe. Guy Philippe Lato, oui. Candidat pour département Grandance Payant. Désolé, sous bannière FRN. Monsieur fait objet, yon mandat international qui enregistré au numéro 05-208-74 qui est mis par la justice américaine. En date du 22 novembre 2005. Ah, tu as vu Guy longtemps. Il n'y a pas d'une occasion pour vous prendre. Vous comprenez ça d'où? Et puis, vous t'a attendu jusqu'à ce que le rivière en 2016, après le 2017 comme ça. Et puis, vous quittez le fin élu comme sénateur. Et puis, vous font un genre là, vous débarquez, vous prenez affaire. Vous t'a cherché monsieur quelque temps, oui. Et depuis 2005, pour implication présumée dans le trafic illicite de stupéfiants et le blanchiment d'argent. Monsieur l'y échappait plusieurs fois à des opérations policières menées à son encontre en façon pour y avoir jamais mettre main sur lui entre 2007 et 2008. Gen lieutenant Emmanuel McGregor, Grégoire Chevry, candidat pour plateau central sous bannière fusion des sociodémocrates. Monsieur renvoyé des forces armées d'Haïti FADH en avril 1989 sous la présidence de Prosper Avril pour son implication présumée dans le trafic de la drogue. Pas un problème. Yola. Et puis gagné qui est-ce? Oh, David Chéri oui. Non, mais de David Chéri là oui. David Chéri. C'est donc Golis papa. David Chéri candidat sous bannière qui est Alliance pour l'avancement et la libération d'Haïti. Allah. Pas tirer dans le jeu, pas dit ça, pas ça, pas ça. Pour le département de l'Ouest, monsieur condamné
à une peine affective par la justice haïtienne pour escroquerie. Eh bien, gagné dans bail et comment bail ça terre encore et coopérative là, hein. OK, et puis il dit que RNDDH li entend attirer attention CEPA sous disposition article 94 dans loi électorale là qui dit comme ça pour être recevable la déclaration de candidature à la présidence au Sénat et à la députation droit par ailleurs être muni des pièces suivantes une reproduction ou photo de la SIN donc quatre articulations donc une identification ou à défaut un certificat délivré par l'ONI l'expédition de la déclaration de naissance ou à défaut un extrait des archives du dit acte une copie authentifiée du titre de propriété attestant que le candidat est propriétaire etc. Donc moun sa yo m sot cité là en 2009 RNDDH sorti rapport ça le 3 février 2009 côté li voyel bay CEPA pour le di moun sa yo suivant ça yo gen soudeur ka pesé comme accusation comme dossier louche comme implication dans ces deux dossiers graves dans crime de sang etc. yo pas capable vinn candidat RNDDH passer là comme pas aller dans tie archive là au pays là son petit coup de main à bail pas quoi ça ca déranger bon OK on quitte ça parce que m'dou ça le ca fait gros zin dans pays là dossier ça. Ça veut dire que qui ça? Jocelyn Briver, c'est pas Jodia comme si États-Unis, Canada, gen yeux sous lui. M'oblige à citer dans l'autre monde parce que m'de vle parler de Briver, que RNDDH en 2009 te prend position contre yo. Bon, m'baronne si ça, toujours cité RNDDH, ta, ben moi m'gen yel. M'baronne si toujours là. Peut-être à chercher pour est-ce qu'il là, m'baronne. OK? Ça veut dire que la société dossier nèg sa yo d'après RNDDH pas clair. Alors que même nèg sa yo de 2015, 2016, 2017 jusqu'à ce que rive dans assassinat Jovenel Moïse, majorité là-dedans yo c'est poisson crasé dans bouillon. Est-ce que t'as fait pays? Est-ce que n'a fait pays? Est-ce que nous voulons faire pays? Qu'on y a ça là pour quelqu'un qui parle en pile, mais non! Parce que si ça dit dans RNDDH là, yo t'a menti sous nèg sa yo, des personnalités publiques connues de tous. Si c'est t'a menti, nèg t'a supposé traduit organisation en justice pour diffamation. De 2009, yo traité nèg de tout mauvais bagay sa m'sot di la yo. Et même nèg sa yo pral retourner comme candidat. Yo tout pral fait partie de l'opposition politique en face PHTK. Kounya yo pral comme si font sorte d'alliance avec même équipe moun qui t'a dénoncé dans le temps.